Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa et ses diamants. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous dites, mais elle a rien devant elle. Eh ben non, ça va être un haul action. Alors j'ai été action en deux fois, mais par contre j'ai retrouvé qu'un ticket de caisse. Alors je suis désolée, il y a des prix que je ne vais plus m'en rappeler. Il y a des choses que je ne vais pas vous montrer parce que c'est secret. Faut pas le dire, voilà. Donc je vais pas tout vous montrer. Alors en premier j'ai trouvé ceci. J'ai trouvé une jolie nappe verte avec des rayures dorées. Je sais pas si vous allez voir. Il me semble que c'était une 9,95 €. C'est une 140 × 240 cm. C'est une rectangulaire. Moi ma table elle est rectangulaire et je la trouvais jolie. J'aime beaucoup ce genre de nappe. J'en ai déjà, des fois, vous voyez, sur ça, j'ai soit une grise ou une noire. Et là, j'ai pris une verte pour changer un peu. Voilà, j'espère que vous allez voir le motif. Il me semble que c'était 9,95 €. Ensuite, j'ai repris des crackers comme ceci aux oignons. Et je crois que j'en ai un autre. Et c'était pas cher. Je crois que c'était même pas 1 €, il me semble. Et c'est pas très calorique. Et de temps en temps, à l'apéro avec mon mari, pas souvent parce qu'il m'en faut pas. Mais voilà. Comme on va faire un petit apéro, je sais pas quand, et ben ça, ça peut être sympa. Voilà. Et j'en avais plus trouvé la dernière fois, j'en avais acheté une fois et j'avais trouvé sympa. Donc j'en ai pris 2 boîtes. J'ai trouvé. Enfin, ma fille, elle s'est acheté ceci. Alors le prix. Elle veut des rubans, elle se fait des trucs dans les cheveux, donc elle s'achète des rubans. Ils font 25 mètres, je crois que c'était pas 1 €. Ah, elle a pris un rose comme ceci et un rouge. Alors c'est marqué quoi? 25 mètres et les largeurs. Je crois qu'il y avait quelqu'un, il n'y a personne. C'est pas marqué, mais je vous montre la largeur, voilà. C'était vraiment pas cher. Ça, je peux pas vous montrer. Ah bah il est là, dans notre boîte de fromage. Ah, j'ai pris aux oignons pareil. Je croyais que j'avais pris, je crois qu'il y avait 2 sortes. Il me semble qu'il y avait fromage. J'ai pris ceci, ma fille est fan de nouilles chinoises. Donc on a pris 3 paquets. Elle a pris 2 au bœuf et 1 shinken. Il me semble que c'est 89 ou 79 centimes. Je suis désolée si je me trompe dans les prix, mais c'est à peu près ça. Je ne peux pas vous montrer. Ça, ma fille, c'est pris ça aussi, des rubans mixtes. Il y a 10 pièces. Ils font 1,50 m chacun. Et voici les motifs. Comme ceci, avec des cœurs. Si je mets dans le bon sens, c'est mieux. Du orange, avec des trucs qui s'enlacent là, avec des petites étoiles. Du classique, du brillant, du un peu plus large, du brillant, des cœurs. Voilà. Il y avait plusieurs coloris. Voilà. On a pris ça pour mon petit chouchou. D'ailleurs, chouchou, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Oh, elle va venir tout à l'heure, elle va venir ce soir. C'est des Whiskas, c'est des friandises. Il y a combien de grammes? Je sais plus. Il y a 100 grammes. Voilà. Ensuite, j'ai. Ah, là, il y a un autre trou. Bon. Je vais pas prendre ça. J'ai pris ça pour mon chien. Il y a de gros os comme ça. Il y en a 2. C'est des pédigrés pâles. C'est quoi le ceto? Ils disent pas. L'agneau. Poulet agneau. Voilà. De temps en temps, on lui en donne un. Elle est contente. Et j'ai pris ça aussi pour mon chouchou. Ça, c'est souvent, c'est 1 €. 1,29 €. Et le prix pour le chien, je ne me rappelle plus. Mais la dernière vidéo que j'avais fait, j'en avais acheté. J'avais mis le prix. Je suis désolée, je ne mets même pas les prix.
Elle a trouvé aussi ce ruban un peu velours rouge. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ben là, ils disent même pas le métrage. Ils disent même pas combien. Ah si, 2,70 m. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Elle a voulu ça pour ranger justement ce ruban. Ça, c'est 7 euros et quelque chose. Je mélange ça. Là, parce que... Ah bah si, j'ai le ticket de caisse, il est là. Alors, attendez. Je cherchais le ticket de caisse, il est là. Ah, ça, c'est quoi? Ça, c'était les piles, c'était en moiry. Alors, moi, je vais vous dire. Chemin de table, 10,95 €. J'ai menti. Les rubans, ça, 1,39 €. Les nouilles, c'était 0,74 €. Les nouilles au poulet, c'était 0,37 €. Qu'est-ce que j'ai acheté? Commode tiroir, 6,95 €. Voilà, c'est ça. Elle a voulu ça en blanc. Il existait en noir. Là, je vois qu'il y a un petit défaut. Voilà, pour ranger comme ceci. Se présente comme ça et c'est pas mal. Ils appellent ça commode tiroir bambou. Voilà. Les maîtres rubans là de le rouge satiné, il était à 0,87 centimes. Un 19 les crackers. Voilà. Et j'ai acheté aussi un pouf de rangement grand là, de 19 euros. Et d'habitude, ils sont à 29 ou 39 euros des fois à Centracor ou à Jiffy. Donc ça valait le coup, donc je m'en suis pris un blanc. Et je me suis acheté du dentifrice. Je l'ai vu le dentifrice. Et il y a une grosse bête là qui fait des bzz là. Dentifrice, je l'ai vu il y a 30 secondes. Évidemment, j'ai pu le voir. Ah, les trucs à mâcher à mon chien, 1,78. Voilà. Colgate, 1,39. Et Aquafresh, 1,99. Et 1,39. Voilà. Et j'ai pris des trucs de Noël. J'ai pris des stickers très très choupinous comme ceci. Alors, il y en a, ils disent pas stickers de Noël. Et c'est tout. Démerde-toi, compte. J'en ai pris deux. J'ai pris ce style-là et je crois qu'il y en avait un autre. C'est un peu holographique, vous voyez. C'est très beau. Et les stickers, ils étaient à 9 de bœuf, 37 centimes aussi, parce que c'était 74 centimes les deux. J'ai dit des bêtises en plus. Bah, je vois pas sticker Noël. Alors. J'en ai deux. Autocollant, 0,79 centimes. Voilà. Donc ça valait le coup. Et j'ai trouvé, j'ai fait ma copieuse. Regardez ce que j'ai trouvé. On va en ouvrir. Hein. J'ai trouvé celui-ci, des cartes de Noël. Alors, il y a ces motifs-là. Il y a ces motifs-là. Oh, j'adore, c'est trop chou. Et ces motifs-là. On va ouvrir, on va regarder celui-ci. Ils étaient au prix de 1,99 €. Ça va, il y a trois cartes. Ça va, c'est pas cher. Hein. Parce que des fois, les cartes, oula, ils sont à 2. Des fois, quand on va envoyer une carte, c'est entre 2 et 3 euros la carte. Et c'est pas une carte à création. Alors, à l'intérieur, ça se présente. Comme ça. Voilà. Et on a. Le tout kit.
On a les diamants. Les diamants de Noël. Du jaune, du orange, du gris, du rose, du vert. Encore du rose, du rouge, du noir. Ah, beaucoup de rouge et du blanc. C'est des diamants blancs classiques. Hein. Il n'y a pas d'AB ou de diamants spéciaux. On va remettre bien. Voilà, je vais remettre ça dans la boîte. Et on a ce modèle-ci. Oh, j'adore, c'est trop chou. Qui colle très bien. On a ce modèle-ci. Ah, mais regardez-moi ça, comme c'est trop chou. C'est chou, hein. Et ce modèle-ci. Ah, là, il y a beaucoup à diamanter. Hein. La voiture, ça, le chapeau du nounours, les petites mains. Et on a les enveloppes qui sont rouges. Il y en a trois. Tu as tchoubé. Pardon. Et merci. Je sais qu'elle a demandé à vos souhaits. Et les explications avec les codes couleurs des trois cartes. Voilà. C'est sympa. Hein. Franchement, Action, ils font des choses en diamond painting très 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 sympa. J'ai eu de la chance de les trouver chez moi en mon Action, parce que souvent là, j'ai du mal à trouver des choses intéressantes, enfin, surtout en loisirs créatifs. Des fois j'ai du mal à trouver des nouveautés. Voilà. Alors ça, c'était ma première partie de mon haul Action que j'ai été il y a une semaine déjà. Donc j'ai dit quand même, il faut que je fasse la vidéo. Et comme j'y suis retournée hier, et donc je vais faire la suite. C'est un autre ticket de caisse. Le ticket de caisse est là, le premier et le deuxième. Voilà. Donc, il y a des choses que je ne vais pas vous montrer. Je vais les mettre de côté. Non, vous ne verrez pas. Non, vous ne verrez pas. Et je me suis trompée, j'ai acheté les mêmes. C'est pas grave. Je vais en trouver une qualité. Alors, j'ai acheté ceci. J'ai acheté ça, en fait, c'est même pas pour les gâteaux, c'est pour la boîte. Elle coûtait biscuit 2,99€. Ça va, c'était, j'adore. Elle est belle. Hein, c'est des gâteaux. Il y a 340 grammes. Et c'est des gâteaux comme ceci-là. Ça me rappelle mon enfance quand ma grand-mère sortait ça sur la table avec le café. Et c'est marqué... Non, c'est rien marqué de spécial. Assortiment de biscuits. Voilà. Peut contenir des traces de soja, arachide au cas où pour les, et amandes au cas où pour les personnes qui sont allergiques. Et 2,99€, ça valait pas le coup de se priver. Moi, je vous le dis. Voilà, j'ai repris. Ma fille, elle a voulu un masque comme si, comme ça, comme si. Fiona a. Le masque était pas cher. Je sais même pas. Je le vois pas. Bah, je le vois pas. Ah si, 0,99€. Shrek. Voilà. Que la copine à mon fils, celle qui nous a emmenés, elle en a pris pour elle et pour que mon fils. Pour rigoler. On a repris des petites friandises à mon chou. Alors, ma fille, elle a voulu, ce que ma fille est venue avec nous, elle a voulu prendre ça. Alors, c'est des sticks, des bâtonnets, 1,59€. Et on a repris celui-là, il était à. Bonne question. Je ne vois pas. Whiskas. Ah si. 1,59€. Il a un petit peu augmenté. Avant, il était à 1,29€ ou 1,30€.
J'ai repris, rappelez-vous, j'avais acheté déjà des torchons comme ceci la dernière fois. J'en ai repris un lot et c'était... Le torchon. Ils sont où les torchons? 5,95€ des 4 pièces. Voilà, j'ai repris les mêmes. J'ai repris les pochettes pour ranger mes points de croix. J'en ai repris 3 ou 4, je ne sais plus, 3. J'ai pris ce modèle et ce modèle. Et ils étaient à 44 centimes. J'en ai acheté que 3. Voilà, j'ai acheté une nappe. Pas du tout pareil, de la même collection. C'est une 140x250, comme d'habitude, une rectangulaire, comme tout à l'heure. Elle est un peu gris foncé, on dirait presque du noir. Et elle était au prix de 9,95€. Voilà. Je suis contente, ça me fera plusieurs nappes. J'ai acheté des nouilles comme ceci. Très très peu calorique que je voulais goûter. Ma fille a dit tiens, essaye de goûter ça. Et ça s'appelle, c'est combien les pâtes? 1,19€. Donc j'ai goûté ça. Ça se trouve, c'est hyper chimique. On va goûter, on verra bien. Pour un soir avec une tranche de jambon, ça peut être un bon truc. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de fruits. J'ai trouvé ça. Ce sont des mangues séchées. Et j'adore les fruits secs. J'ai vu le prix tout à l'heure. Mangue. J'ai vu le prix. Hein. Voilà. 1,99€. Voilà. Et deux petites choses après. J'arrive dans le loisir créatif. J'ai voulu essayer ça. C'est du calligraphie. Alors, j'avais mon... J'avais mon ciseau, elle est disparue. J'avais bien pris un ciseau. Ah non, elle est là. Je vais l'ouvrir proprement. Voilà. Et ça, c'était au prix de... 1,32€. Je vois pas où c'est. C'était pas cher. Déjà, je voulais voir comment c'était fait. Et ce sont des cartouches. Ah, d'accord. Oh, c'est un stylo plume en fait. Ah non, ok. Il y a un embout comme ceci. Et après, il y a d'autres embouts. C'est pas les mêmes. Un peu moins large et un peu encore moins large. Et il y a 2, 4, 6, 8, 10 cartouches. Donc je vais essayer. Et je vous dirai ça, si c'est bien ou pas. Non mais ça m'embête que j'ai pas le prix quand même. Parce que c'était intéressant. Non, c'est pas ça. Eh bien, ça va être 1,98€. Non. Eh bien, je ne sais pas. Si je trouve, je vous mettrai le prix là, mais... Au montage, mais non. Donc, voilà. Ça, c'est la mangue. Et j'ai trouvé... truc de Noël, c'est un petit ange comme ceci, trop mignon. Alors, elle fait 24 cm et ça, j'ai vu le prix et ça coûte 3,99€ et il y avait plusieurs coloris, je crois qu'il y avait gris et il y avait rose aussi. Et moi, j'ai voulu blanc, mais c'est assez lourd parce qu'en fait, ça tient debout. Voilà.
Il y a, je sais pas comment on dit à l'intérieur, c'est assez lourd. Voilà. Et j'ai trouvé un petit diamond painting de Noël. J'ai choisi celui-ci avec les rennes. C'est la nouvelle collection. Enfin, j'espère que c'est la nouvelle collection. Et il y a des diamants qui s'illuminent la nuit. Et il y a... Voilà. Ceci à l'intérieur. Je ne veux pas l'ouvrir parce que... Parce que j'ai pas envie de l'ouvrir. Tout simplement. Il était au prix de 4,39€. Bon, j'espère que ce petit haul action vous aura plu. Je suis désolée, j'ai encore 4-5 articles, mais que je ne vous montre pas. Voilà, parce que je suis en préparation de quelque chose pour la fin de l'année. Et c'est des petites surprises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais prendre une petite goutte de café. Je m'avais préparé du café. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner également. Pardon. À vous abonner également. Et moi, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout... Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.